Salut à tous. Ouais, salut à tous. Comment avoir l'Orion de Pégase. Donc Yes. Donc là on va vous montrer les endroits des trois pièces pour obtenir l'Orion du Pégase. Donc déjà on a un premier endroit ici pour la première pièce, juste ici. On a juste ici, hop, juste ici là, tac tac. Et juste ici. Là. Voilà. Donc là, il y était. Là, pour vous citer un petit peu, on est juste devant la tour Odin, en fait, hein, en gros. Donc les trois parties, la première pièce se trouve dans ces trois endroits que je viens de vous montrer. Hop. Ça, c'était la première pièce. Donc, ah oui, j'ai oublié de préciser que pour avoir l'Orion de Pégase, il faut obligatoirement être dans la seconde partie de la map. Donc, du coup, il faut faire l'artefact, faut faire l'abri du Pégase, et puis. Et puis arriver jusqu'ici en fait, hein, tout simplement. Donc là je vais vous montrer la deuxième pièce. Donc la deuxième pièce, elle peut soit se trouver ici. Hop, là c'est un genre de marteau. Hein. Elle peut se trouver ici, juste à côté de la torche là. Ou juste ici. Là, du côté de... sur ce mur là en fait. Hop. Donc ça c'était pour la deuxième pièce. Donc là je vais vous montrer la troisième pièce maintenant. Hop, donc les trois pièces se trouvent uniquement ici, hein, vous les trouverez jamais dans l'autre partie de la map. Hein. Hop. Donc là il y a pour la troisième pièce, vous avez soit ici, juste là. Vous avez soit juste ici là. Tac. Ah ouais. Donc là c'est une genre d'enclume. Hein. Vous avez soit ici. Hop. Donc voilà. Quand vous avez les trois pièces, eh ben, il suffit juste de le construire là sur le. Sur le petit établi là. Hop. Vous construisez ici et hop, vous avez la mort d'Orion. L'Orion de Pégase, pardon. Hop. Donc, petite précision, vous pouvez pas l'utiliser n'importe où. Hein, parce que quand vous avez une hauteur basse de plafond, vous pouvez pas l'invoquer. Hein. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'Orion de Pégase, ça invoque Pégase, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous pouvez pas l'utiliser n'importe où, en fait. On va vous montrer un petit peu ce qu'il fait. Hein. Donc là je vais vous montrer déjà que là regardez je peux pas l'invoquer, regardez là par exemple, là je peux pas l'invoquer, hop, parce que c'est trop bas en plafond en fait, tout simplement. Hop, donc là je vais l'invoquer juste ici, regardez, hop. Tac, donc là vous le posez par terre et ça invoque Pégase en fait, et ça tue tous les zombies autour. Et ça attire les zombies également. Hein. Regardez là, je peux aller sur eux, ils vont pas me taper, regardez. Hop, ça attire les zombies. Et quand vous l'avez fabriqué une fois, tous les autres joueurs peuvent l'avoir dans la boîte aussi. Hein. Hop, vous voyez que c'est assez efficace quand même. Hein. Même sur les paires du fléau et tout, c'est assez efficace aussi. Donc là, on est à peu près tranquille le temps qu'il Pégase est là en fait. Donc voilà les gens, ça c'était pour l'Orion du Pégase. Hein. Yes. Voilà, j'espère que ça aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, puis on vous dit à plus tard. A plus. C'est prêt comme ça. Regarde, j'ai vu. Ah ouais. Point doublé. Je viens de m'offrir une augmentation. Ah, Kevin vient de l'avoir aussi.